Ifeanyi. Tu es oui, là. Papa. Sois le bienvenu. Papa. Hein? Ah. Tchaï. Ifeanyi, c'est bien. Oui. Je vais bien. Dieu merci. Sois le bienvenu. Et ton état de santé? Ah, je vais bien, je vais bien. Et toi donc? Dans l'ensemble, je vais bien. C'est juste le stress. Ah, ok. Pourquoi es-tu venu avec tous ces sacs? Je ne comprends pas. Quel sac? Tous ces sacs avec lesquels tu es venu. Papa, je t'ai acheté des vêtements et aussi la nourriture que tu as demandé que j'apporte. Mais est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin des nouveaux vêtements? Tu n'as pas besoin de me le dire, papa. Je connais ta penderie. Je sais que tu n'as pratiquement plus de vêtements. Il fallait donc que je t'en achète d'autres. Ces médicaments sont très efficaces. Ah, vraiment? Ils sont vraiment très efficaces. Le docteur m'a prescrit des nouveaux médicaments pour mes problèmes articulaires. Mais j'ai oublié leur nom. Papa, ne t'en fais pas pour ça. Je vais l'appeler. Je l'appellerai et il me donnera le nom. Le plus important dans l'histoire, c'est que tu te sentes mieux. Ok. Et comment te sens-tu? Je vais bien et comme je te l'ai dit, j'ai juste un peu mal au dos et le stress, c'est tout. Si wow. Jeune. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ça n'empêche pas que tu marches avec ton inhalateur. Papa, je marche toujours avec. Ouais, c'est bien de s'inquiéter, mais tu en fais un peu trop. Ah, je dois me faire du souci, sinon tu es mon fils. M'approche pas. Ok, je suis désolée. Désolée de t'avoir fait attendre. J'avais un emploi de temps serré. Je t'en prie. Sais-tu pourquoi la plupart des relations ne durent pas? Je ne sais pas. À cause d'un excès de mensonges et d'un manque de respect. Ah, ça recommence. Ça recommence. Qu'est-ce que tu veux dire par ça recommence? Ai-je l'air de vociférer ou alors de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle? Ceci n'est pas la première fois, ni même la deuxième fois, ou encore la troisième fois que nous avons un rendez-vous. Quand tes rendez-vous n'est honoré, chaque fois tu fais toujours les choses à ta manière, sans aucun respect pour moi. Tu es sans ignorer que je suis le prince de ce royaume. Bébé, ça va? Obina, calme-toi. Hein? Je sais que nous avions un rendez-vous, mais je t'ai dit que mon emploi du temps a changé, qu'un de ma camarade m'a appelé, qu'on avait un examen à passer. S'il te plaît. Ta camarade m'a appelé que vous avez un stupide examen. Es-tu la seule étudiante? Tu es la seule étudiante? Hein? Es-tu en train de parler à un bébé? As-tu oublié que je suis un diplômé? Je suis également allé à l'université et je sais tout ce qui se passe là-bas. De quoi est-ce que tu parles? Hein? Ces excuses stupides que tu passes ton temps à me donner là commencent déjà à m'énerver. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais de quoi je parle? Je n'en sais rien. Tu sais bien de quoi je parle. J'en ai marre de cette relation. J'en ai marre de ton attitude nonchalante. J'en ai marre de tes excuses pidons. J'en ai marre de tout cela. Je pense que c'est toi le problème. En fait, c'est toi le problème. Tu es arrogant, t'aimes critiquer et trop nerveux pour moi. Comporte-toi comme un homme. Laisse pas tes sentiments prendre le dessus. En fait... Es-tu folle? Espèce d'idiote. Comment tu oses me parler de la sorte? As-tu oublié que je suis le prince de ce royaume? Écoute, je suis l'homme ici. Et tout ce que je dis doit être fait. Et tu dois l'accepter. Trouve-toi quelqu'un d'autre à commander et non moi. Et reviens ici, ne me tourne pas le dos, ok? Ne me tourne Retire pas le dos. Retire tes mains crasseuses. Tu me tournes le dos? Écoute-moi, si tu sors de cette concession, tu le regretteras, je te le jure. La seule chose que je regrette est de t'avoir supporté avec tes sales caractères. Ressaisis-toi.
Es-tu sûr que tu n'as rien à me dire? Ah, ne t'en fais pas pour moi, mon fils. Tu dois juste prendre soin de toi, ok? Je suis capable de prendre soin de moi. Le problème ici, c'est toi. Promets-moi que tu prendras soin de toi. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai. Il faut que j'y aille. Au revoir, hein? Sois sage, là, dehors. Hein? Papa, prends soin de toi. D'accord. Si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'en parler. D'accord, je le ferai. Sois sage, là, dehors. Hein? Au revoir. Ah. Je t'appellerai dès mon arrivée, hein. D'accord. Prends soin de toi, papa. D'accord. Prends soin de toi, hein. D'accord, papa. Bye. Bye. Père, tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. Nous devons parler, assieds-toi. Je t'écoute. Est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais que l'une des qualités qui fait de toi un homme est le niveau de maturité avec lequel tu gères certaines... situation et problème? Je le sais, papa. Mais je ne sais pas exactement où tu veux en venir. Ok. J'ai vu ta petite dispute avec ta petite amie Berechi hier. Mais père, tu veux dire que tu nous espionnais? Rectificatif, mon fils. Je n'étais pas en train de vous espionner. Hmm? J'étais en train de vous regarder. Et je te conseille de ne plus utiliser ce genre de langage lorsque tu es en train de me parler. Désolé pour ça, père. Je croyais que tu étais occupé à gérer d'autres affaires au palais. Non, j'ai tout vu. J'ai entièrement tout vu. Je dis bien, j'ai tout vu. J'ai vu son humeur avant qu'elle ne s'en aille de ce palais. Et je l'ai même appelé et elle m'a absolument tout raconté. Tu l'as appelé? Oui. Père, j'espère qu'elle ne t'a pas raconté des bêtises. Non. Elle ne m'a pas raconté d'histoire. Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé. Et d'après ce qu'elle m'a dit, je ne pense pas du tout qu'elle mentait. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi je l'ai frappé? Non. Elle m'a insulté. Peu importe quelle est la raison. Tu n'avais aucune raison. Tu n'avais aucun droit de la frapper. Elle n'est pas ta femme. Et même si elle était ta femme, tu n'as aucun droit de la frapper. Et en plus, elle ne t'appartient pas. Vous êtes deux jeunes gens qui apprennent encore à se connaître. Mais père, elle m'a insulté. Elle a insulté le prince de ce royaume. Elle ne t'a pas insulté. Tu l'as forcé à dire toutes ces choses qu'elle a dites, en croyant que c'est approprié en ce moment précis. En fait, tu l'as poussé à dire ces choses. Père, je ne pense pas que tu comprennes ce que je veux dire. Le problème, c'est que lorsque Eberechi et moi avons une discussion, elle finit toujours par tout gâcher. Je lui reprochais le fait qu'elle ne respecte jamais sa parole. Cette fille n'est encore qu'une étudiante. Elle va encore à l'école. Et tu sais combien elle accorde beaucoup d'importance à ses études. Toi aussi, tu es allé à l'école. Et tu sais combien cela exige une concentration. Avec ce niveau d'exigence, est-ce que tu penses qu'elle aura vraiment le temps pour s'amuser? Qu'est-ce que tu veux dire par s'amuser, père? Je veux juste qu'elle m'accorde plus d'attention. Je ne la connais pas très bien, mais
Je voudrais juste qu'elle communique le plus avec moi. Je voudrais juste qu'elle soit là pour moi. Je veux davantage qu'elle s'investisse dans cette relation, c'est tout. Mais tu es encore avec elle. Et tu finiras un jour par la connaître. Père, je te remercie pour ton temps, mais je pense que je devrais m'en aller. Excuse-moi. Obina, ça va? Maman, pourquoi est-ce que papa ne me laisse pas gérer mes affaires telles que je les conçois? Est-ce qu'il est obligé de se mêler de mes affaires? L'est-il? C'est parce qu'il est ton père. Et il se sent dans l'obligation de prendre soin de toi. Ok? Et en plus de ça, tu seras bientôt le nouveau roi de ce royaume, Obina. Maman, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de tout ceci. Le fait que tout le monde essaie de se mêler de mes affaires. Je suis assez grand. Je peux prendre en charge mes responsabilités. Je peux subvenir à mes besoins. Je pourrais régler n'importe quelle affaire qui me concerne dans ce palais. Pourquoi père me stresse autant? Pourquoi? Hein? Sa manière de penser est totalement différente de la mienne. Ce qu'il fait est totalement différent de ce que moi je fais. Je vais bientôt régner sur ce royaume. Et je compte le faire très bien. Avec assurance, ce royaume sera à la mode. Que ce vieux se mêle de ses affaires. S'il te plaît, maman, parle-lui. C'est ton mari. Demande-lui de rester loin de mes affaires. Spécialement mes affaires intimes. Excuse-moi, mère. Je t'ai dit de te reposer. Je t'ai dit de te reposer, mais tu as insisté pour terminer le travail de Momoke. Hein? Ne te tue pas. Repose-toi. Mamaka. Mamaka. Mamaka m'a appelé au moins. 18 fois. 18 fois. Elle ne me laisse pas tranquille. Qu'est-ce qui est plus important entre ta vie et celle de Momoke? Hein? Ta santé est plus importante que tout. Tu dois d'abord sauver ta vie. Merci. Merci. Merci de te soucier. Juste que... Juste que... Ah, j'ai trop de travail. Trop de travail à faire. Donc si je continue à perdre du temps, je vais perdre des clients. Écoute, laisse d'abord le travail de mon banquier, hein. Tu dois te reposer. Viens, je vais t'aider. Tu dois d'abord te reposer. C'est quoi ça? Hey! Que tu es lourd. Hey! Laisse-moi finir d'abord. Allez, laisse d'abord ce travail et allons-y. Ah! Tu aimes trop te stresser pour rien. Mais chaque fois, j'aime trop déstresser. Allez, oublie, Momoke. Momoke, qu'est-ce qui ne va pas avec Momoke? Tu devrais d'abord te soucier de toi. Ta santé avant tout, pardon. What will
Allô, fils. Allô, papa. Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Et toi? Je vais bien, fils. Il y a quelque chose qui ne cesse de me tourmenter l'esprit. Et je souhaiterais en parler avec toi. Papa, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce que j'ai à te dire est très, très important. Ne pouvons-nous pas en parler au téléphone? Non. Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Je voudrais que tu reviennes demain à la première heure, ok? D'accord, papa, je me mettrai en chemin demain matin à la première heure. Ok. Prends soin de toi, hein? D'accord, papa. Toi aussi, prends soin de toi, je te vois demain. D'accord. Oh, la plus belle des créatures. Tu es là. S'il te plaît, je veux passer. Hé, un instant. Pourquoi es-tu si pressée? Je suis là pour rencontrer ton père. Il m'a appelé. C'est à cause de moi qu'il t'a appelé. Et de plus, je t'ai appelé plusieurs fois, mais t'as pas pris mes appels. Je t'ai également envoyé des messages, mais tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas obligée. Laisse-moi aller voir ton père. Je n'ai pas assez de temps. Reviens ici, mon amour. Reviens. Pourquoi est-ce que tu fais un tel plat? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es autant stressée? Écoute, tu es trop belle pour réagir ainsi. Tu en fais tout un plat, tu sais. Oh, s'il te plaît. Le soleil brille tellement qu'il serait inapproprié que toi et moi, nous nous disputons, ok? Je sais que tu es fâchée contre moi, mais tu dois te calmer, d'accord? Calme-toi, nous pouvons nous arranger sans toutefois faire de problème. Sincèrement, tu me manques. S'il te plaît, allons-y dans un endroit calme où nous pouvons discuter calmement, sans bavure. Ok, mon amour, allez, fais-moi un sourire. Allons-y. Ah, mon amour. Pourquoi réagis-tu ainsi? Regarde-toi. Ta peau est tellement rayonnante. Tu es très belle. Elle scintille. Hmm? Qui avait dit que la plus belle des créatures n'existe pas? Cette personne doit être un blagueur, car tu es la définition même de la beauté. Tout ce qui te concerne est juste magnifique. Fantastique. Écoute, mon amour. Tu sais, il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans notre relation. Nous essayons de nous connaître l'un l'autre. Nous sommes encore à ce processus. Se connaître, ça prend du temps. C'est pour cela que tu vois que ces choses nous arrivent. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Aucune relation n'est parfaite. Mais je pense que la chose qui m'affecte et aussi qui affecte notre relation, c'est que nous laissons les gens s'ingérer dans notre relation. En fait, ce n'est pas une bonne chose. Si je t'ai bien entendu, de qui est-ce que tu parles? De ton père? Pour ton information, je n'ai pas appelé ton père, c'est lui qui m'a appelé en premier. Je le sais. La plus belle, je le sais. De plus, nous avons une conversation à propos de tout cela. Mais le truc, c'est que nous sommes des adultes. Et très bientôt, tu seras mon épouse. Tu seras la reine de ce royaume. Nous allons gouverner ce royaume ensemble. Alors, nous devons essayer de nous comprendre. Ok? Alors, écoute. Si nous rencontrons des difficultés, il est important de s'asseoir ensemble, en tant que mari et femme, pour discuter calmement, au lieu de laisser n'importe qui s'infiltrer et s'ingérer dans notre relation. C'est tout ça que je ne veux pas. Je sais que j'ai très mal agi en te frappant, mais tu sais que tu m'as aussi poussé à le faire. Comment? Comment? J'ai essayé de t'expliquer, mais tu n'as pas écouté. Que voulais-tu que je fasse? Croiser mes bras et te regarder m'insulter? Non! C'est vrai. Je l'admets. T'as raison. Mais nous devons oublier le passé. Ok, pensons
Bref, soyons focus sur le futur. Nous sommes le futur. Nous aurons de beaux enfants. Oui, ils seront très beaux. Nous sommes le futur. Je suis désolé pour tout ce que j'ai pu te faire. Ça ne se reproduira plus, mon amour. Ok? Alors fais-moi sourire. Tu sais, j'aime te voir sourire. Je suis désolé. Concentrons-nous sur le futur parce que c'est dans le futur que tout se passera. Je t'aime tellement. Et je ne te ferai plus de mal. Promis. C'est une promesse, ma reine. C'est bon. C'est bon. Comme tu l'as dit, nous apprenons à nous connaître. Se disputer ne nous apportera rien du tout. Et nous devons respecter le point de vue de l'autre et s'écouter. Je sais que tout reviendra dans l'ordre. Tout reviendra dans l'ordre, mon amour. Oh, ma reine. Elle ne me frappe plus jamais. Je ne te frapperai plus. Promis. Le seul endroit où je te frapperai, c'est dans la chambre. Ne me frappe pas là-bas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu vas plutôt t'amuser avec moi. Je ne suis pas ton père biologique. Laisse-moi te raconter comment j'ai rencontré ta mère. Il y a de cela plusieurs années. Monsieur, je suis désespérée. Ok. J'ai besoin de votre aide. Comment? Je me demandais si vous pouviez m'aider avec votre téléphone. Je veux passer un coup de fil. Mon téléphone? Ouais. Pourquoi, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, je veux passer un coup de fil. Ok. Mais s'il vous plaît, surtout dépêchez-vous. Ok, monsieur, je le ferai. Allô? Désolé, mais Becky ne peut vous répondre pour le moment. Ah, Adochi. Depuis quand est-ce que tu reprends à la place de Becky? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ah, c'est moi, Ifeditma. Ah, ma puce. Comment tu vas? Je n'avais plus de tes nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, je vais bien. Mais depuis quand est-ce que tu reprends aux appels de Becky? Arrête un peu de me poser des questions. C'est une très longue histoire. En fait, comment est-ce que tu te débrouilles? Pardon, je ne vais vraiment pas bien. À l'instant où je te parle, je ne sais même pas où je vais dormir. Hélas, je ne suis pas en ville. En fait, j'avais eu des ennuis et je me suis fait renvoyer. Tu vois un peu le topo. Tu n'as pas d'argent? Je t'assure que je n'ai même pas une pièce. Je n'ai absolument pas d'argent. Comment est-ce possible? C'est pas quelque chose qu'on discute au téléphone. Dis-moi juste où tu te trouves. Je te l'ai dit, je ne suis pas en ville. Je t'ai dit que j'avais eu des soucis. J'ai dû aller au Ghana. Hey, je suis finie. Qu'est-ce que tu es allé faire au Ghana? Je suis allé me battre. Je suis maintenant à la rue. La rue? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es dans la rue? Je suis venu ici pour me battre et j'ai dû tout vendre. Tu sais, les choses ne sont pas faciles ici. Mais tu es une très belle fille. Et alors, tu pourras t'en sortir. Ok, bébé, oublions toutes ces choses. Où est-ce que je vais passer la nuit? Je n'ai nulle part où aller. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire là tout de suite. Tu pourrais porter tes bagages et prendre la route pour venir ici me retrouver. Tu sais, au Ghana.
Là, tout de suite, c'est tout ce que j'ai à te proposer. Bébé, les conditions dans lesquelles je me trouve ne me permettent pas de faire une telle chose. Hein? S'il te plaît, est-ce que t'as pas un autre moyen de m'aider? Bon, tu sais quoi? Laisse tomber, ça va. C'est toi seule qui a envie de souffrir. Au revoir. Ah! S'il vous plaît, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, je dois partir maintenant. Ah, il a raccroché. Merci, monsieur. De rien. S'il vous plaît, je veux du pain et du haricot.
Ah, bonjour, comment allez-vous? Hey, jolie demoiselle. Hey, vous êtes ravissante. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Je cherche le bailleur de cette maison. Tu cherches le bailleur de cette maison? Oui, monsieur. Ah, mais c'est moi le bailleur. Oui, c'est moi le bailleur de cette maison. Merci, Seigneur. Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous faites ici? Je me demandais si vous n'aviez pas un petit espace à l'intérieur pour que je puisse rester. Un petit espace? Oui, monsieur. Vraiment? Vous êtes très chanceuse. J'ai effectivement un espace. J'ai un petit espace là-dedans. Vraiment, merci. Mais le loyer, c'est 30 000 naira. Oui, y compris le contrat de bail. Mais ce n'est pas grand-chose, tu pourras payer. 30 000 naira? Mais oui. Oga, s'il vous plaît, je n'ai pas cette somme d'argent, mais si je reçois mon salaire, hein, je vous donnerai votre argent. Si on te paye. Ok, combien? Combien avez-vous à l'instant? Combien avez-vous? Combien? J'ai 5 000 naira, monsieur. 5 000? Oui. 5 000 naira. 5 000 naira ne m'achète même pas la bouteille de vin que j'ai l'habitude de boire là-bas au carrefour. Quand j'ai envie de me détendre, que vais-je faire de 5 000 naira? Ah, 5 000 naira. Oga, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste pour cette fois. S'il vous plaît, juste pour cette fois. S'il vous plaît. Ok, pas de problème, je vous ai entendu. Je vais le faire à une seule condition, et c'est parce que vous êtes une jolie femme. Je vais le faire pour vous, hein. Allez, debout. Vous êtes ravissante. Dieu vous a bien crié haut. Merci, monsieur. Quel est votre nom déjà? Ifendima, monsieur. Ifendima. Oh, vous êtes une Igbo. Oui, monsieur. Hey, les filles Igbo sont belles. Vous êtes vraiment ravissante. Hey, j'adore les filles Igbo. Pas de problème, je vais vous montrer. Allons-y. Merci, monsieur. Écoutez, après que je vous l'ai montré, hein, je vous assure que vous allez l'aimer. Vous allez vraiment l'aimer. Je vais vous montrer. Allons-y, allons-y, allons-y. Qui est là? C'est moi, ton bailleur. Monsieur, la porte est ouverte. Ah. Bienvenue, monsieur.
Ife Dima. Oui, monsieur. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as bien dormi. Oui, monsieur. Monsieur le bailleur, je n'ai pas de chaise dans ma chambre, mais vous pouvez vous asseoir sur mon matelas. Ah, ne t'en fais pas, je vais me tenir ici, hein. Ne t'en fais pas pour moi. T'en fais pas. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? C'est une lettre de demande d'emploi. J'ai vu une offre d'emploi dans une boutique. Ils ont demandé que je fasse une demande. Ah, une demande. Une belle fille comme toi n'est pas censée souffrir. Tu n'es pas censée souffrir. Tu es ravissante. Tu sais, la façon dont nous sommes, hein. Si tu commences à le faire avec moi, hein. Si tu commences à, hein. Je prendrai soin de toi. Tu seras au petit soin. Je sais comment prendre soin d'une femme. Vraiment? Oui, je sais comment prendre soin d'une femme. Vraiment? Oui. Tu peux aller n'importe où, le demander aux gens. Je suis un bon garçon. Je suis un bon garçon. Ne t'en fais pas, je suis un bon garçon. Je peux même te laisser vivre gratuitement. Je veux dire, tu ne payeras plus le loyer. Hey! Mais oui. Ouais. C'est un petit problème. Mais à une seule condition. Une condition? Oui. Et c'est quoi cette condition? Tu sais que je suis un homme. Et une belle fille comme toi, hey, tu es très belle. Je voudrais que toi et moi, fassions, qu'on fasse ce truc. Ce truc-là, je veux pénétrer. Oui, c'est ça. Monsieur le bailleur, je ne peux pas faire ce genre de choses dans mon état. Je ne peux pas. Écoute, tu dois être patient. Je te donnerai plus tard tout ce que tu voudras. Hein? Sois juste patient. Que j'attends? Oui. Dans ton état. Hey, ton état est très bien. C'est même à ce moment que les femmes aiment le faire. C'est même à ce moment qu'elles adorent le faire pour qu'elles puissent facilement accoucher. Tu as besoin de quelqu'un qui te touche bien, qui te chouchoute pour que tu puisses bien accoucher. Tu ne le sais pas. Ah, c'est le meilleur moment. Où. Hein? Monsieur le bailleur, je ne peux pas. Je vais bien accoucher, ne vous en faites pas. Je vais bien accoucher. Ne vous en faites pas pour ça. Mais merci. Ok, pas de problème. J'ai compris ce que tu as dit. Je vais attendre. Je vais attendre, mais que ça se passe comme tu as dit. Il n'y a pas de problème. Je m'en vais chez maman Caro. Je vais aller prendre un verre, tu vois. Que vais-je faire d'autre? À plus tard, hein. Qu'est-ce que tu fais à rester assise là? Pourtant, il y a des clients qui attendent d'être servis. Et as-tu lavé tous ces plats? Oga, pardon, ne vous fâchez pas, je suis désolée. Tu ferais mieux de t'y mettre. Je n'ai rien à faire de tes excuses. Est-ce que c'est ça qui me donnera à manger? Si ce travail te fatigue beaucoup, sache qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent cet emploi. Tu comprends ce que j'ai dit? Ok, Oga, je vais aller laver ces plats. Allez, va les laver et prends les commandes des clients. Dépêche-toi d'y aller. Ife Dima. Ife Dima. Où est passée cette fille? Ife Dima. Où est passée cette fille au juste? Où est passée cette fille? Qu'est-ce que... Ife Dima. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Mon bébé. Regardez les problèmes. Hey, ton bébé. Hey, s'il vous plaît, les voisins, venez m'aider. Voisins. Hey, vas-y doucement. Ce n'est pas moi qui t'ai enceinte. Hey, désolé. Hey, tu me fais mal. Désolé. Hey, ce n'est pas moi qui t'ai enceinte, mais vas-y doucement. Hey, où sont-ils? Hey, venez m'aider, voisin. Qui est là? Je suis très mal. Je vais essayer, je vais. Avance. Hey. Tu fais du mal. Hey. Ton bébé sort déjà.
Chai, essaye de t'asseoir. Hein. Laisse-moi appeler les voisins. Essaye de t'asseoir. Hey, assieds-toi, je vais appeler les voisins. Hein? Et c'est comme ça qu'elle t'avait accouché. Malgré le fait qu'elle n'avait pas assez d'argent, elle était quand même heureuse de pouvoir te serrer dans ses bras et fixer ton petit joli visage. Ta naissance a apporté un autre mystère dans sa vie. Quand elle t'allaitait, après deux mois, elle a dû reprendre le travail. Car elle n'avait pas assez d'argent pour te nourrir et elle-même. Hey, Ifendinma. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Comment va la famille? Ils vont bien. Comment va le travail, monsieur? Tout se passe bien. Oga, je suis venue reprendre le travail. Ah, je suis vraiment désolé. Une autre personne t'a remplacé. On m'a remplacé? Oui, une personne t'a remplacé car je ne pouvais plus t'attendre. Attendre que tu viennes. Mes affaires doivent marcher, tu comprends? Mais Oga, ce n'est pas de ma faute, non, hein? Je viens juste d'accoucher, mon bébé a à peine 2 mois. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais là, il s'agit de mes affaires, tu comprends? Alors, ce que je peux te dire, c'est d'attendre jusqu'au mois prochain. Il y aura encore une place pour toi. Oga, le mois prochain, c'est loin, non? S'il vous plaît, trouvez-moi juste une place, je vais me débrouiller. Il n'y a pas de place libre jusqu'au mois prochain. C'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Oga, pardon, non? Patiente jusqu'au mois prochain. Oga! On se voit le mois prochain. Qui est-ce qui est là? C'est moi! Qui? Ton bailleur. C'est ouvert. Ah. Jolie demoiselle. Quoi de neuf? Comment vas-tu? Je suis passé te chercher ici, mais tu n'étais pas là. Où étais-tu? Ah, belle demoiselle, pourquoi est-ce que tu refuses de me parler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as commencé à faire des manières, les choses que les belles filles font. Elles font des manières. Hein? Tu sais faire des manières parce que tu es très belle. Tu es vraiment ravissante. ok, ce n'est rien. Parle-moi. Ah, tu es là, tu ne fais que bouder. Qu'est-ce qu'il y a? Belle demoiselle. Oga, pardon, laisse-moi. Hein? Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Pardon, je ne suis pas d'humeur, pardon. Va-t'en, je ne suis pas d'humeur. Que je parte. Pourquoi es-tu devenue si distante? Hein? On s'était dit qu'on devait faire nos choses quand tu auras accouché de ton petit. Avec qui est-ce que tu as conclu un marché? Mais avec toi. Ah ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Oga, laisse-moi tranquille. Regarde cette fille. Maintenant, c'est comme ça. Tu nies tout en bloc. Ah, tu crois que je suis un petit enfant? Hein? Nous avons conclu un marché et on était censé le faire juste après que tu aies accouché. Hein? Quel est ton problème au juste? Hein, belle demoiselle, parle-moi. Tu ne veux pas me parler. Tu n'avais nulle part où aller. Tu te baladais juste avant de tomber par hasard ici. Hein? Tu m'avais supplié en me disant que tu n'avais nulle part où aller. J'ai décidé de te donner un toit. Je t'ai hébergé chez moi, à cause de ton état. Et tu me dois encore 8 mois de loyer non payé.
Tu vas me donner mon argent. Tu vas me donner mon argent. Hein? Ah ah, regardez cette fille. Penses-tu être plus sage que moi? Écoute, tu vas me donner mon argent. Sinon, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je t'assure que tu verras. Maintenant, tu vas ramasser toutes les choses qui sont dans cette chambre et tu vas foutre le compte d'ici. Tu vas les prendre et t'en aller d'ici. Oga, s'il te plaît, te fâche pas. S'il te plaît, c'est juste parce que mon patron m'a chassé du travail aujourd'hui. S'il te plaît, te fâche pas. Écoute, tout cela ne me concerne pas. Je t'ai dit de quitter cet endroit. Tu vas... Ou bien tu veux que j'appelle tous les villageois pour qu'ils viennent m'aider à te chasser d'ici. C'est ma maison. Je te payerai. Ok, écoute, je trouverai un travail et mon salaire, je te le donnerai. S'il te plaît, pitié de moi. Tu vas travailler. S'il te plaît, pitié de moi et pitié de mon enfant, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton enfant? Est-ce moi qui t'ai enceinté? Va retrouver celui qui t'a enceinté. Hein? Tu es parti donner ton corps à un homme et il t'a enceinté puis il a fui. Et maintenant, tu veux venir m'embêter avec tes problèmes. Écoute. Va-t'on, j'ai dit, va-t'on de cet endroit. Prends tes affaires et va-t'en d'ici. Non, s'il te plaît. Ah, incroyable. J'ai dit, prends tes affaires et va-t'en d'ici. Ah, ah. Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-elle décidé de souffrir? N'avait-elle pas des amis ou de la famille qui pouvaient l'aider? Penses-tu qu'elle aurait souffert autant si elle avait où aller? Elle a sûrement une famille. Elle est bienvenue de quelque part. Oui, elle avait une famille. Le fait d'avoir une famille ne veut pas dire qu'elle avait quelqu'un sur qui compter. Comme toi, par exemple. Depuis que tu étais encore un tout petit garçon, jusqu'à ce que tu deviennes un homme, t'ai-je déjà présenté à qui que ce soit comme membre de ma famille? Je suis le seul que tu connais comme membre de ta famille. Maintenant, certaines familles ont des histoires différentes. Certaines sont bonnes et d'autres sont très tristes. Et celle de ta mère n'est pas différente. Elle a perdu ses parents quand elle était encore tout petite. Elle a dû se battre pour elle-même à ce tâche. Elle savait que il n'y avait personne pour l'aider. C'est pour cela qu'elle a commencé à souffrir. Ta mère est allée vivre dans ce bâtiment inachevé pour te protéger de la pluie et du soleil. Mais malheureusement, elle se retrouvait à vivre là-bas jusqu'à ce que je fasse sa connaissance. Ah! Comment tu vas? Je vais bien. Bon après-midi. Bonsoir. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Ah. Laisse-moi t'aider. Regarde ce beau bébé. Alors,
comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Alors, qu'en est-il de la fièvre? A-t-elle baissé? Oui, et merci beaucoup pour les médicaments. Ça m'a vraiment aidé. Ah, ah, tu ne fais que me remercier, hein? Ce n'est rien. Cela me rappelle que tu n'es pas allé travailler aujourd'hui. En fait, je me sentais un peu fiévreuse ce matin, mais je me sens mieux maintenant. Je ne le savais pas. Excuse-moi, puis-je savoir où tu travailles? Oh, désolé, bébé. Alors, quel genre de travail fais-tu? Eh bien, je suis une vendeuse. Je vends les vêtements pour bébé. Une revendeuse? Ouais. Puis-je savoir combien est-ce que tu gagnes? Je gagne 10 000 naira. 10 000 naira? 10 000 naira est trop petit. Comment peut-on survivre avec 10 000 naira dans notre pays? Ah. Ah, bien. C'est mieux que de ne rien faire. Puis-je savoir ce que tu es venu faire dans ma boutique? Es-tu venu pour acheter quelque chose ou veux-tu juste passer du temps avec moi? Discuter avec moi et tu sais. En fait, je suis venue acheter quelque chose. Ouais, mais... Ok, Mathieu, je ne sais pas comment je vais te le dire. Je sais que je te dois déjà beaucoup. Mais je te promets, je te rembourserai dès que j'aurai mon salaire. Ifedima, je ne me suis pas plaint. Pas du tout. Hein? Alors, que veux-tu acheter? Que veux-tu? Ok. Je n'ai juste que 300 naira avec moi. Alors, je voudrais que tu me donnes des spaghettis. Je vais me débrouiller. Je vais te donner des spaghettis. Tu as dit des spaghettis, n'est-ce pas? Ouais. Juste des spaghettis. Ouais. Non, petit bébé. As-tu du savon? Je vais te donner du savon. Non, bébé. Petit. Mère et fils, je vais aussi lui donner des biscuits. Les œufs sont bien pour le bébé. Bisous. Ok. Prends ça. Ah. Ok, Mathieu. Oui. Prends ça. Je t'ai seulement demandé les spaghettis. Oh, j'ai seulement 300 naira. C'est bon, je ne me plains pas. Ça ne me dérange pas. Oh. Ça ira. Ok. Ah. Je l'ai fait pour toi et le bébé. Ok, Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Et ça recommence encore. Et ça recommence encore. Tu ne fais que me remercier. Ça ira. Hein? Merci beaucoup. Et je vais aussi le porter. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Tu m'as vraiment effrayée. Je suis désolée. C'est bon. Alors, pourquoi est-ce que tu es là? Je suis juste venue. J'espère que tu n'es pas fâchée. Non, non, je vais bien. C'est juste que je ne suis pas confortable ici. Je ne suis pas à l'aise. De toute façon, sois le bienvenu. Merci. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis à l'aise ici. Voulais-tu que je te file un coup de main? Non, 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 c'est bon. Alors, donc, c'est ici que tu vis? Pour un moment, oui.
D'accord. J'imagine que tu rends cet endroit agréable pour vous. Très drôle. De toute façon, si tu le dis, bienvenue dans ma modeste demeure. Mais ne sois pas offensé. Je me demande bien pourquoi est-ce que tu as laissé ta boutique et toutes tes affaires importantes pour venir me voir. Bien, je me disais que il y a des choses intéressantes que je devrais connaître sur toi. Des choses intéressantes? Crois-moi, il n'y a rien, absolument rien à savoir sur moi. Venant de quelqu'un qui vit dans un bâtiment inachevé avec son bébé, pour être franc avec toi, tu attires mon attention. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et depuis combien de temps est-ce que tu vis ici avec ton bébé? Je suis désolé d'en parler. Je ne connais pas vraiment ton histoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vis ici avec ton bébé. Mais peu importe ta situation, si... Bien, si tu ne veux rien dire, je comprendrai. Crois-moi, je vais parfaitement te comprendre. Ce n'est pas ça. C'est juste que j'essaye de le garder pour moi. Parce que je pleure à chaque fois que j'y pense. Ça me rend triste. Vivre seul dans cet endroit, sans aucun compagnon, ni personne d'autre. Empire encore ta situation. Tu n'as pas besoin de me le cacher. Ifedima, je voudrais vraiment savoir ce qui t'est arrivé. Dis-moi, je voudrais savoir, Ifedima, te confier te permettra de trouver une solution. Je voudrais vraiment connaître ton histoire. La raison pour laquelle je suis venue ici, c'est parce que on m'a chassée à l'endroit où je vivais avant. C'est un endroit non loin d'ici. Le propriétaire de cet endroit était une personne alcoolique et il me faisait la cour. Il a essayé de coucher avec moi. Quoi? Et j'étais encore enceinte. C'est horrible. Pourquoi quelqu'un voudrait-il coucher avec une femme enceinte et en détresse? Je ne sais pas à quoi pensent certaines personnes. J'ai essayé de détourner son attention. Jusqu'à ce qu'il lise clair dans mon jeu. Alors, il n'a pas hésité de me chasser de chez lui. Je me demande à quoi pensent certaines personnes. C'est vraiment triste. Non. Bah, Mathieu, tu ne peux pas faire ça. Et je ne pourrais plus continuer à résister. Je pourrais emprunter de l'argent chez Pierre, mais je n'ai pas fini de rembourser ma dette. Il ne mérite pas ça. L'endroit où il reste n'est pas sécurisé. Surtout pour ce bébé. C'est très dangereux. Hey, il faut que je les aide. Ils ne peuvent plus continuer à vivre dans cet endroit. Patron Mathieu. Ah ah. Patron Mathieu, bon après-midi. Patron Mathieu. Ah ah. Comment tu veux dormir à 7h de la journée? Désolé, ah ah. Je ne t'ai pas vu. Pourquoi tu dormir comme ça, non? Je suis vraiment désolé. Tu dors comme l'un de mes amis qui s'appelle Ebuka, qui dort bêtement après avoir fumé ces choses bizarres. Calme-toi. Ah ah. Ah ah. Qu'est-ce que tu vas acheter? Donne-moi une bouteille de coca. J'espère qu'il est bien glacé. Hein. Il est frais. Hein, viens avec. D'accord. Je n'arrive pas à comprendre les gens d'ici, quoi. Comment tu peux dormir en plein milieu de la journée comme ça pour tes clients? Ah! Qu'est-ce que tu veux d'autre?
C'est tout ce qu'il y a. S'il te plaît, mets ça dans un sachet. 250 naira. Et c'est combien je te dois? Je n'ai pas de monnaie, tu repasseras chercher ta monnaie. T'es mon frère, moi je ne vais pas revenir. Je viens te voir en train de dormir bêtement comme quelqu'un qui a fumé la drogue. C'est pas une bêtise là, c'est à moi quoi. Il faut rentrer dans ma monnaie quitter ici. Écoute ta boisson qui n'a même pas glacé là, tu fais le malin. Chef, faut faire vite, non, il y a quoi? J'arrive. Bonjour, Ifidima. Oga Mathieu, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Mais, Oga Mathieu, je pensais que tu allais venir en soirée. Oui, j'ai changé d'avis. Et effectivement, il s'agit d'une affaire d'urgence. Une affaire urgente? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent que tu veuilles me le dire? Je n'ai rien à te dire. Quoi? Bah, je voudrais plutôt te montrer quelque chose. Alors, va chercher le bébé et on s'en ira. D'accord. Ok, dépêche-toi. Oga Mathieu, alors où est-ce qu'on va? Ne t'en fais pas, tu sauras quand nous y serons. Allons-y. Pendant combien de temps vas-tu me laisser dans cette curiosité? Ifidima. Calme-toi, je suis désolé de t'avoir dérangé. Calme-toi, bientôt tu sauras tout. Ok? Allons-y. Bienvenue. Alors, c'est ici que tu vis? Non. C'est en fait l'endroit que j'ai loué pour toi et le bébé. Attends, ok Mathieu, genre, t'es sérieux? Tu m'as loué une maison? Exactement. Ok Mathieu, merci beaucoup. Ça va, lève-toi. Ok Mathieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est bon, lève-toi. Lève-toi. Ok. J'ai payé pour un an. Alors, ton bébé et toi pouvez rester ici. Ah, ok, Mathieu, merci beaucoup. C'est mon Dieu qui m'a récompensé. C'est bon. Ok, Mathieu, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. C'est bon. Hey. Amen. Il faudra venir dans ma boutique. Je te donnerai 100 000 naira. Je propose que tu l'utilises pour débuter une affaire qui te sera rentable. Ah, Oga Mathieu, merci beaucoup. Je ne saurais comment te remercier. Oga Mathieu, merci beaucoup. Que c'est Dieu bon. Continue à te bénir. C'est bon. Ah. C'est bon, ok. Hey. Fais comme chez toi. Et quand tu seras libre et que tu as besoin de quoi que ce soit, passe à la boutique, ok? Ok, monsieur. Ok, je serai à l'église. D'accord, prends soin de toi. Oga Mathieu, bye-bye. Ah, Seigneur, bénis-le, je t'en prie.
Ça a vraiment été une histoire triste. Ta mère avait commencé à vendre de la nourriture parce que cet argent n'était pas suffisant pour ouvrir une boutique. Elle vendait de la nourriture dans tout le quartier avec une bourrette. Elle se faisait bien de l'argent. Ta mère était une femme très intelligente. Elle me manque tellement. Et maintenant que tu m'as tout dit, il semblerait que ma mère n'avait que toi. Est-ce qu'il y avait un genre de relation entre vous? Étiez-vous amoureux? Non. Nous n'étions pas amoureux. Mais j'étais toujours là pour elle. Car elle souffrait à cause de toi. Plus le... Plus le temps passait et plus ses sentiments grandissaient. Allô? Mimi, comment vas-tu? Inoko Fuma. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Mimi? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Jésus! Un AVC! Comment est-ce que ça a pu arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, quel est ce genre de problème? Quel est ce genre de problème? Que signifie tout ceci, hein? Alors, qu'ont-ils pu faire, hein? Hey! Bien, ok, combien faut-il? Mon Dieu, hey! Où vais-je trouver cet argent? C'est trop pour moi, hein? 250 000 naras, c'est trop beaucoup. Où vais-je trouver cet argent? Mimi, hein? Je comprends, hein? Je promets faire de mon mieux pour trouver cet argent, hein? Je verrai comment trouver cet argent. Je serai au village demain matin, hein? Ne pleure plus. Ne t'en fais pas, hein? Je serai là, d'accord? Ça va aller, tout ira bien. Oga Mathieu n'est pas venu à la boutique aujourd'hui. I've been through so many pains, but life is full of agony.
Allô? Oga Mathieu, bonjour. Comment vas-tu? Oga Mathieu, je t'ai apporté à manger, mais la boutique est fermée. Oh. Oh, je suis désolé de t'avoir pas dit. Je suis en route pour mon village. Quoi? T'es en train d'aller au village? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, je suis vraiment désolé. Il y a eu un incident. C'est vraiment urgent. Et je dois y aller. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne peux pas te le dire maintenant. Je te dirai tout quand je serai de retour. OK? Oga Mathieu, ce que tu me dis ne me rassure pas du tout. Et tu le sais, ça. Tu savais que j'allais passer à ta boutique aujourd'hui, mais tu ne m'as pas dit que tu allais voyager. Et j'ai l'impression que tu ne veux pas me dire vraiment ce qui se passe. Je t'ai dit que j'étais désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé, hein? Ne t'en fais pas, je te dirai tout quand je serai de retour, hein? C'est urgent, je dois régler quelques affaires au village. Ok, tu me diras tout quand tu seras de retour, tu me diras tout. D'accord. À vos ordres, ma chère madame. Ok, d'accord, fais un bon voyage. D'accord, prends soin de toi, ok? Ne t'en fais pas, je serai de retour. Je serai de retour dans 2 ou 3 jours. Au revoir. Ah, ah. Chai, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Allô? Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, je vous payerai. Je sais que je vous dois de l'argent. Hein? Je vous payerai, monsieur. Je vous payerai, je vous le promets. Venez ouvrir ma boutique et je vous payerai. Hein? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment tu vas? C'est bon, calme-toi. Ifidima, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. S'il te plaît, peux-tu venir au poste de police? Celui qui est près de l'église de Saint-Pierre. Je dois te voir maintenant, s'il te plaît. Quoi? Ah, ah! Qu'est-ce que tu fais en poste de police? Est-ce que t'es revenu du village comme prévu? Oui, je suis rentré hier. Mais je me suis fait arrêter ce matin. Arrêté? Alors comme ça, t'es revenu du village et tu ne m'as pas dit? Je voulais t'appeler ce matin. Mais je me suis fait arrêter. Je suis désolé. Ok, c'est bon. Alors, c'est quoi le problème? Nous ne pouvons pas en parler maintenant. Viens juste au poste de police, si tu peux, pour que je puisse sortir de cet endroit. Ok, donne-moi un instant, j'arrive. J'arrive. Écoute, Ifidima, tu es fâché. Je peux le voir dans ton visage. Tu as le droit d'être fâché. Je suis désolé. En effet, je ne voulais pas te le dire pour certaines raisons. Alors c'est quoi ces raisons? Est-ce que c'est parce que je t'ai dit que je suis une fille pauvre et stupide qui a besoin que les gens l'aident? Tu ne crois pas que je puisse t'aider, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît. Allez, je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas m'aider. Je n'ai pas dit cela. Je me suis dit que tu devrais te préoccuper des choses plus importantes, comme le bébé et toi. Je suis désolée si je t'ai donné cette impression. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a empêché de m'informer lorsque t'as appris que ton père n'allait pas bien? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé lorsque t'étais de retour en ville? Tu as emprunté de l'argent à la banque à cause de moi. Arrivé à échéance, t'as pas pu rembourser. Et t'as pas trouvé juste de me le dire? Il a fallu qu'on arrive à un point où tu n'as plus aucune option que de m'appeler. Je suis désolé.
Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. C'est bon, t'as pas besoin de t'excuser aussi. Mais promets-moi, dorénavant, il n'y aura plus aucun secret entre nous. Ok, plus de secrets. C'est bon. Alors, comment va ton père? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il a fait une attaque. Oga Mathieu, je suis vraiment désolée pour ça. Merci. Ma cousine m'a appelé et elle m'a dit que mon père avait fait une crise et ne pouvait plus marcher. Il était paralysé d'un côté. Alors, c'est pour cela que je suis allée au village. D'accord, j'espère qu'il va mieux. Oui. Mais promets-moi que dorénavant, il n'y aura plus de secrets entre nous. Ok, plus de secrets. C'est bon. Alors comment va ton père? Qu'est-ce qui lui est réellement arrivé? Ah, grande dame. Bienvenue. Prends place. Je vais chercher une autre chaise. Ah, grande dame. Bienvenue. Ok, Mathieu. Grande dame, comment vas-tu? Je t'ai apporté à manger. Oh, merci. On dirait que tu savais que j'avais faim. Ah, je le mangerai plus tard. Ok, Mathieu, je vais me rendre au marché maintenant. Je voudrais aller acheter à manger pour la journée de demain. Ah, je ne vais pas mettre l'or. Ma femme d'affaires. Alors, ok, Mathieu, je ne mettrai pas l'or, d'accord? Un instant, pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas avec Ifeanyi Chukwu, hein? Hein? Ça pourrait au moins t'aider à aller plus vite dans ce que tu feras au marché. Je prendrai soin de lui. Oga Mathieu, il ne va pas te déranger? Non. C'est un jeune homme. Ifeanyi Chukwu, dis à ta mère que tu seras sage. Il est en train de rire. Il rit. Laisse-le avec moi, je prendrai soin de lui. Mon fils, je prendrai soin de lui. Ok. Alors, vas-y, prends-le. Merci. Imimao. D'accord. Écoute, cela me rappelle, hein, il y a quelque chose d'important dont je voudrais qu'on parle. Quelque chose d'important? Oui. Qu'est-ce que c'est? On en parlera quand tu seras de retour. Hein? D'accord. Il rit. Je ne mettrai pas l'or. Oh, Ifeanyi. Au revoir, maman. Oh, oh, beau bébé. Hé, hey. Regarde-toi, tu as grandi. Aïe, j'ai une surprise pour toi. Et quand ta mère reviendra, je lui ferai une plus grosse surprise. Hein? Voilà ce que j'ai pour toi. Tu vois? Tu vois?
Bientôt, je serai ton beau-père. Ne t'en fais pas, je prendrai soin de toi comme mon propre fils. Je prendrai soin de toi. Tu seras heureux avec moi. Regarde ça. Souris, papa t'aime. Souris. Comment allez-vous, madame? Ah, s'il te plaît, amène-moi au marché. Ça marche? Comment tu es belle? Ah, attends, non. C'est pas de l'amusement. Je veux qu'on se voit un peu. Je veux qu'on parle un peu. Pardon, arrête tes conneries. Allons-y. J'ai pas de temps à perdre. J'ai des sentiments pour vous. On peut aller deux. Pardon, Dimar. Pas de problème. Je t'emmène. C'est ma moto. Je t'emmène où tu veux. Ne t'inquiète pas. Calme-toi, s'il te plaît. Ah, c'est ma moto, non. Ne t'inquiète pas. Même si tu as parti là, tu n'es pas parti là-bas. Hein. Pas avoir peur. T'es champion, faut te calmer, qu'est-ce qu'il y a? Elle a eu un accident. Jésus. Sur la route du marché. Où? Comment? Passons, allons-y. Comment? Dépêchez-vous, dépêchez-vous, allons-y. 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 Sa mort m'avait totalement dévasté. Vous avez sauvé ma vie. Vous m'avez prévenu. N'est pas sorti cette nuit-là. Oui. Tu as eu de la chance. Ça s'est vraiment passé. D'accord. Qui est mon père? Ton père est Ezena, le fameux roi du royaume d'Obiadie. Votre Majesté, je crois que Chief Anosier a raison. Il a raison. Je veux dire, à mon humble avis, si vous voulez mon avis, je dirais que nous devons prendre ce terrain, construire une clôture autour de ce terrain. Mobiliser les jeunes afin qu'ils sécurisent ce terrain, car nous devons le prendre. Oui. Non, mon fils. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Tu sais, si nous adoptons cette méthode, eh bien, les gens le verront comme si nous voulons prendre ce terrain. Nous avons adopté cette méthode il y a plusieurs années. Et la suite,
c'est que le résultat fut catastrophique. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de nos jeunes sont morts lors de cette bataille. Cette confrontation avec le peuple des Wolos. Mon roi, je crois que je partage votre avis concernant ce cas. Ce que nous voulons suggérer de faire, c'est que nous options pour une méthode plus diplomatique. Votre Majesté, vous avez dit diplomatie. Ces gens sont très très violents et ils ne voudront jamais discuter posément. Oui, peut-être. Parce que nous avons aussi été violents envers eux. Est-ce que tu comprends? Nous avons aussi à notre tour été violents envers eux et c'est normal qu'ils se défendent. Es-tu prêt? Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment concernant tout ceci. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Puis-je savoir ce que vous voulez? J'espère que ceci est le palais du roi Izena. Oui, ça l'est. Ok, nous sommes venus le rencontrer. Et c'est très, très important. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes là pour le roi? Oui, c'est ça. Est-il au courant de votre venue? Non, il n'est pas au courant. Mais nous sommes venus pour quelque chose de très important. Alors, que dois-je lui dire? Il ne nous connaît pas, mais c'est Ifedinma qui nous a envoyés. Une servante qui a travaillé ici il y a longtemps. Ok, un instant, je serai de retour. D'accord. Ok, votre majesté. Je vais vous poser une simple question, père. Comment allez-vous utiliser cette méthode diplomatique pour arrêter cette guerre entre le royaume des Kuelo? Pourtant, cette guerre existe depuis des années sur cette fameuse terre. Eh bien, c'est très simple. Nous allons nous asseoir et nous aurons un dialogue avec le roi. Il comprendra. Et ce terrain a beaucoup de richesses. Nous pouvons, tu sais, arriver à avoir un profit mutuel au travers d'un dialogue et d'un accord. Votre Majesté, si nous avions une quelconque négociation et que nous ne prenons pas 100% de ce terrain, ça veut dire qu'ils abusent de nos droits. Ce terrain nous appartient légalement. Et tiens, Oche, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais que ces deux royaumes se battent pour ce terrain depuis très longtemps. Et en conséquence, personne d'entre nous n'a été déclaré propriétaire de ce terrain. Alors comment peux-tu dire que ce terrain nous appartient? Tu veux une autre guerre? Non, c'est vrai. C'est très simple, à mon humble avis. Je pense que nous devons prendre ce terrain par la force. Oui. D'accord, d'accord. S'il vous plaît, accorde-moi un moment, je vous en prie. Je reviens tout de suite. Attendez que je revienne. Le roi sera de retour. Tu as dit, il fait des mains. Oui. Ce nom me semble familier. Il y a très longtemps. Alors, qui sont ces gens? Ils ont dit que vous ne les connaissez pas, Majesté. Ils ont dit que c'est Ifedinma qui les a envoyés, Majesté. J'imagine qu'ils veulent vous rencontrer personnellement. Ah, ok. Amène-les dans la cour, hein, et installe-les. Je vais d'abord finir la réunion. Et s'il te plaît, ne dis absolument rien à personne les concernant. À vos ordres, Majesté. Bien. Mon gardien m'a dit que vous venez de la part d'Ifedinma. Hein? Oui, votre majesté. Votre majesté.
J'espère que vous vous souvenez d'Ifedima. Oui. Elle a travaillé ici il y a de cela plusieurs années. Votre Majesté. Cette relation que vous avez eue avec Ifedima a conduit elle est tombée enceinte. Et le résultat de cette grossesse, votre Majesté, est ce jeune homme assis près de moi. Comme ça, Ifedima était enceinte de moi dans cette maison. Et elle ne me l'a pas dit. Elle a disparu pour Dieu seul sait où. Elle a accouché et elle ne me l'a pas dit. Je n'ai plus aucune nouvelle d'elle, ni celle du bébé jusqu'à présent. Maintenant, vous débarquez dans mon palais pour me dire que ce jeune homme bien mature est mon fils. De quoi est-ce que ça a l'air pour vous? Est-ce que ça n'a pas l'air d'une plaisanterie? Ok, ok, attendez un peu. Où est Ifedima en ce moment? Votre Majesté, ça fait longtemps qu'elle est morte. Je suis vraiment désolé. Mais quand même, cette histoire que vous venez de me dire est vraiment incompréhensible pour moi. Cela ne me convainc pas du tout que ce jeune homme est mon fils. Votre Majesté, un test ADN pourra tout confirmer. Quoi es-tu tout ce mouchardage et également toutes ces histoires? J'ai vu la réaction de mon mari quand tu lui as chuchoté quelque chose à l'oreille. C'est si étrange. Qui étaient ces hommes? Je suis désolé, Votre Majesté, mais je n'ai pas l'autorisation de vous révéler quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un ordre, Votre Majesté. Tu sais, c'est tellement amusant que quelque chose se passe dans ce palais et toi, personnellement, décides de me le cacher. Ouzo, je te le demande encore. Que se passe-t-il? Votre Majesté, vous ne me comprenez pas, s'il vous plaît. Je n'ai absolument rien à vous cacher. Ceci doit être une affaire que le roi voudrait gardez confidentiellement. Mais si vous insistez, vous pouvez aller le lui demander. Vraiment? Oui, Votre Majesté. C'est bon, ça va. Tu peux disposer. Merci. Fils, je t'avais dit de rester en dehors de ça. C'est mon problème et crois-moi, je vais m'en occuper. C'est ton problème, n'est-ce pas? Oui. Père, tu te comportes d'une manière bizarre dans ce palais. C'est vraiment très étrange. Je voudrais savoir quel est le problème. Mais tu me laisses en dehors de ça. Personne ne te cache quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste une situation. Et je sais que tu n'as pas le pouvoir de prendre une décision à ce sujet. Tu ne me comprends pas, père. Je veux tout simplement dire que même si je n'ai pas le pouvoir de prendre une décision dans ce palais, n'ai-je pas au moins le droit de savoir ce qui ne va pas? Dis-moi. Très bien, mon fils. Ok, ne t'en fais pas, mon fils. Tu le sauras très bientôt. Où est mon téléphone? Ah. Où est le numéro de ce docteur? Allô? Oui? Docteur?
Bonjour. Comment va votre famille? Ah, nous allons bien. Nous allons bien. Il y a une situation très grave et embarrassante qui est arrivée ici au palais et je sais que vous allez être d'une très grande aide. Oh non, 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 personne n'est malade, personne n'est malade. J'aimerais que vous fassiez un test d'ADN. Oui. Oh, vous êtes en train d'arriver. C'est d'accord, je vous attends. Bien. Père! Oui? T'ai-je entendu parler de test ADN? Un test ADN, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce palais? Mon fils, ne t'en fais pas, tu le sauras très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon, calme-toi. Maman, tu m'entends? Oui. Peux-tu imaginer? Papa vient d'appeler le docteur pour faire un test d'ADN. Oui! Un test d'ADN! Oui. Mère, je dois faire quelque chose, s'il te plaît. Ah, ok. Merci. Prenez place, monsieur. Ah, docteur. Bonjour. Soyez la bienvenue. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Bien. Désolé de vous avoir fait attendre. J'avais beaucoup de choses à faire. Ah, ça ira. Vous êtes là maintenant, donc est-ce qu'on peut? Oui, monsieur. Hein? Mais où est l'autre personne? Approche. Va m'appeler ce jeune homme. Come the delay, destiny cannot change. Whatever will be, will be. No matter what you do, you cannot change. Nous y voilà, docteur. Voilà le jeune homme en question. Oh, ok. Nous allons faire le prélèvement. Comment un homme âgé comme ça peut venir au palais et commence à s'identifier comme le fils de notre roi? Ma sœur, je suis autant confuse que toi, sérieux. Alors, qu'est-ce que le roi a dit par rapport à ça? Oh! Mon père dit que le test d'ADN a été fait, donc on attend juste les résultats. Vraiment? Je t'assure. Allons vite au machin. T'as raison. Allons-y. Désolé de vous le demander, Votre Majesté. Mais à quoi peut bien vous servir un test ADN dans un palais royal? Eh bien, docteur,
Ne vous en faites pas pour les détails, ok? Je voulais vous dire que peu importe les résultats, je veux dire du test d'ADN, peu importe ce que sera ce résultat, je voudrais que vous disiez à mon mari qu'il n'est pas le père de ce bâtard. Je vous donnerai 4 millions de naira. Je vous donnerai 2 millions comme premier versement. Et le reste une fois le travail terminé. Je suis désolé, Votre Majesté. Mais je pense que vous me mettez dans une situation difficile. Et si je fais ce que vous me demandez de faire, et que le roi décidait de faire ce même test ADN ailleurs, avez-vous pensé à ça? Docteur, vous savez à quel point mon mari vous fait confiance. Il vous fait totalement confiance. Il n'y a absolument aucune raison pour laquelle il doutera des résultats que vous lui donnerez pour qu'il puisse aller les contester, et ça, vous le savez. Alors, 2 millions de naira maintenant, 2 millions de naira plus tard. Donc, j'imagine que nous avons conclu le marché. Je vous fais le transfert maintenant. Je crois que j'ai encore vos coordonnées, alors je le fais à l'instant. Mère, je n'arrive pas à croire que père t'a fait tout ceci. Eh bien, il l'a fait. Ah! Mais il y a de cela très longtemps. Tu vois ça? Maintenant, son passé l'a rattrapé. Hey, ça l'a rattrapé. Et comment est-ce que les gens de ce royaume le verront quand ils sauront que le roi a couché avec sa servante? Eh bien, tout le peuple ne le croirait même pas. Ils ne le sauront pas, et même s'ils le savent, ils verront ça comme un mensonge. Mmh. Oui, ne t'en fais pas. Le docteur est là. Je m'en occupe, ok? Bonjour, docteur. Bonjour, Votre Majesté. Soyez le bienvenu. Oui. Docteur, quels sont les résultats? Essayez de vous calmer. Calmez-vous, mon prince. Je sais que cette situation vous rend vraiment très nerveux. Mais votre mère s'en est occupée. Je te l'ai dit. Hein? Je te l'ai dit. Mère, je vais perdre mon sang-froid. Je vais perdre mon sang-froid. S'il te plaît, calme-toi. Mais puisque vous tenez absolument à connaître les résultats, pourquoi ne pas me suivre à l'intérieur? Bien D'accord? sûr. Allons-y. Can be delayed. Destiny cannot change. Whatever will be, will be. No matter what you do, you cannot change. Iye chukukuru eku. Yeah, 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 yeah. Yeah. Whatever will be, I am my mama. Alors, docteur, pourquoi ne pas nous dire quels sont les résultats? C'est compris, Votre Majesté. Bien. Après avoir fait des examens avec des échantillons de cheveux, j'ai découvert que ce jeune homme est effectivement votre fils, Votre Majesté.
Vraiment? Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai découvert. Je crois que j'en ai terminé ici. Je vais devoir prendre congé. Au revoir, Majesté. C'est bon, allez-y, docteur. Des mensonges! C'est du n'importe quoi! Docteur! 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 Mère, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Docteur! C'est quoi ça, mère? C'est quoi tout cela? Tu croyais que tu t'étais en chargé? Je l'ai fait, fiston. Si tu l'as fait, alors qu'est-ce que ce stupide docteur racontait? Hein? Il jouait certainement à un jeu. Il jouait à un jeu? Mère, tu penses vraiment que ça a l'air d'un jeu? Quel genre de jeu? C'est quoi ce jeu? Comment cet étranger peut-il faire partie de cette famille? S'il te plaît, fais quelque chose. D'accord, je le ferai. Mais calme-toi. Ok? Je ne veux pas me calmer. Mère, fais quelque chose. Je le ferai. Quelqu'un doit arrêter père de commettre cette folie. Sinon, je ferai quelque chose qu'il ne va pas aimer. Tu me connais très bien. Je ferai quelque chose que tout le village en parlera. S'il te plaît. Calme-toi. Ok? Calme-toi. Allô? Alors, c'est comme ça, n'est-ce pas? Écoutez, je ne vous ai pas demandé de tuer qui que ce soit. Écoutez, surtout surveillez vos mots quand vous me parlez. Je suis la reine. D'accord. Sachez juste que vous avez créé de graves ennuis dans ma famille. Oh, s'il te plaît. De quoi est-ce qu'il parle, mère? Hein? Mère? Des conneries. Oh! C'est quoi tout ceci? Ha! Pour être franc avec toi, je ne pourrais assez te remercier pour ce que tu venais de faire. Ça demande beaucoup de courage et de sagesse à un homme de faire ce que tu as fait. Mon fils n'aurait pas su d'où est-ce qu'il venait si ce n'était pas grâce à toi. Donc, en guise de remerciement, je vais te transférer 3 millions de naira. Oui. Votre Majesté, 3 millions de naira. Pour moi, ce n'est pas clos. Non, je pense que tu mérites plus que ça. Hmm? Mais, chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, appelle-moi juste, d'accord? Hein? Tu seras toujours la bienvenue ici. Quel que soit ce que tu voudras, je vais m'assurer que tu l'es. Aïe! Votre Majesté, vous avez un grand cœur. Mais j'aimerais vous demander une faveur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, Ifaini est asthmatique. Comme vous pouvez le voir, votre femme et votre fils sont remontés face à cette situation. Alors, je voudrais que vous le protégiez. Prenez soin de lui. Non. Surtout, ne t'en fais pas pour ça. Je vais vraiment m'assurer qu'il soit protégé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Je vais m'assurer, tu sais, qu'il ne subisse du tout aucun stress et tout ira bien. C'est mon fils après tout. Votre Majesté, que Dieu vous bénisse. Merci.